ce soir-là, sur l'antenne, dans la série En votre âme et conscience, l'affaire Fieschi. De service, notre charmante speakerine, Jacqueline Cora. Et nous lui avions préparé une petite plaisanterie. Notre speakerine, pour l'instant, est très décontractée, mais la fausse fan va arriver dans quelques instants. Jacqueline Cora va intervenir, et contrairement à l'habitude, elle va demeurer très très longtemps à l'image. Trop longtemps. Terrier, Jacqueline. J'écoute, que se passe-t-il? On est en panne sur le réseau actuellement. Il y a une coupure entre les buts de Chaumont et ici. Il faudrait faire une annonce d'excuses. Bon. D'accord. D'accord. Coupure. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une coupure de faisceau entre nos studios des buts de Chaumont et la régie finale de Cognac G nous a mis dans l'obligation d'interrompre pendant quelques instants la diffusion de l'affaire Fieschi. J'espère que vous voudrez bien ne pas nous en tenir rigueur et avoir l'amabilité de bien vouloir patienter quelques instants. D'avance, merci. Comme vous, j'attends, vous le voyez. Eh bien, voyez-vous, quelquefois, la technique nous joue des tours. Soyons patients. Mais quoi? Oui? Est-ce qu'il va y avoir un retard pour longtemps? Ah, ça, il faudrait le demander à nos techniciens. Vous l'avez reconnu tout de suite en entrant ou pas? Ah non, en entrant, non, je me suis dit, tiens, j'ai cru que c'était le pompier égaré. Ah, mais oui, j'ai dans une maison. Oui, le pompier de la maison. Puis je me suis dit... Pompier, vraiment, c'est proche de l'uniforme qu'il préfère, celui d'agent de police.